un coaching master sur Nautilus. Qu'est-ce qui se passe déjà là, Olic? Petit problème. Tu me parles de... On va travailler un peu la ligne phase, mais petit problème, c'est que t'as la vision là, t'as la vision là. À quoi tu sers là? Grande question. Même si à Blitzcrank, tu vas rien pouvoir faire contre un Blitzcrank. Et moi, ce que j'aimerais déjà, au début de game, bah, quand t'as un champion engage, un champion où tu vas vouloir la priorité dans les bush, tu vas m'aller là, tu me prends la vision dans ce bush, tu décales et tu au minima. Parce que tu veux le contrôle des bush et tu veux même que le Blitzcrank n'ait pas la vision dans les bush pour pouvoir les jouer. Bon, là, t'as une alpha vein ultra méga power, etc. Et sur le même principe, repartir dans la base ennemie alors que tu peux partir là, bah, tu me fais un plaisir de partir là. Un peu du troll. Leur donner un big avantage normalement. Elle chope le kill, mais quoi? Elle survit? Quoi? Bon, la fraude. C'est la fraude. C'est la fraude. Bon, est-ce que t'es utile là? Non, mais en vrai, tu me fous de ma gueule là. T'as la chance que le Blitzcrank soit gentil, mais là, tu prends un midlife. Hein. T'as vraiment fait ça, Olic? Ça joue mal en master. Hein. Tu dois. En fait, il y a un truc que tu dois faire, Olic. Tu vas m'aller dans échappe, tu vas aller dans game. Hop, juste pour te dire que c'est un coaching qu'on effectue en live. Donc, tu peux participer gratuitement à du coaching. Peu importe ton elo, peu importe ton rôle. Tout ce que t'as à faire, c'est de venir. Une petite commande dans le chat et c'est réglé. Donc, n'hésite pas, hein, c'est ton meilleur pouce bleu si t'es arrivé à prendre de la micro. De la macro grâce à cette vidéo. Ou je crois, ou interface peut-être, voilà, interface, et tu vas me cocher le gain d'expérience. Et en fait, là, la problématique, c'est que moi, je veux que tu actives le gain d'expérience pour que tu saches ta limite range de gain d'expérience sur la wave, pour pas que tu arrives à te recoller au corps à corps de ce bush alors qu'il y a Blitzcrank là et qui est en train de te regarder en mode et c'est un bait, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas activer ce petit paramètre d'expérience qui va te permettre de savoir l'information sur la max range d'expérience et qui va t'aider. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu t'alignes par rapport à la Vayne et au Blitzcrank. Parce que t'as Aftershock et parce qu'elle doit pouvoir farmer, c'est normal. Par contre, la situation où parfois tu te décales ici, tu donnes la possibilité de grappe la vein et tu donnes un free grab sur toi. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Enfin, tu me le refais là, je crois. Tu vois, genre là, pourquoi? Est-ce que tu trouves que la vein est en danger? Non? Pourquoi tu te mets en. Mais d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi. Il te grappe pas bump, elle te juste met un boomerang et tu prends quasiment midlife gratos et Zatol, tu vois. Tu vois, là, je serais d'accord que tu te positionnerais ici, tu vois, pour prendre le grappe. Là, je serais d'accord. Mais sinon, pourquoi tu te mets tout le temps à range de grappe? Ça, c'est incompréhensible. Tu prends ça, ok. Elle a son chasing. Petite silver qui tue quelqu'un qui a le double buff. Là, on veut pas push, très bien joué. Voilà. Et pourquoi tu veux tout le temps te faire grappe? Pourquoi tu veux tout le temps te faire grappe? Explique-moi! Non, en vrai, Olic, il y a un truc qui me fait mal au cœur. C'est que, mais je veux pas être méchant, hein. Mais coaching gold qu'on a fait hier, c'était un meilleur positioning. Qu'est-ce qui s'est passé, Olic? T'étais bourré? Mais regarde, mais pourquoi? Tu veux faire quoi là? Dis-moi ce que tu vas faire! Mais Oli, qu'est-ce que t'essayes de faire là? Je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer en vrai? T'as une explication ou aucune, genre? J'arrive pas à comprendre. Oh, imagine le mec il met un like. J'avoue, imagine il met un like. C'est sûr qu'il va mettre un like. J'arrive vraiment, vraiment pas à comprendre. Pourquoi tu vas tout le temps taout pose? Genre en mode limite suicide. Tout le temps, genre tu joues pas derrière les creeps. Tu te positionnes tout le temps à range de grappe. T'essayes d'engage quand t'es low life ou quand t'es niveau 1 et qu'en face ils sont niveau 2. Tu vois, la problématique c'est juste là. Déjà, il y a un énorme problème de positioning. Et je sais pas si c'est peut-être que t'arrives pas à jouer avec Vayne, que t'arrives pas à jouer contre Blitzcrank. Tu vois, c'est un peu flou, c'est un peu complexe d'arriver à comprendre ça, tu vois. Parce que ça, c'est aussi à toi de le comprendre. Et normalement, si t'es master, t'arrives quand même à. Le truc qui se passe, c'est que oui, là t'as un problème de positioning et d'engage qui est totalement faussé, quoi. T'as de la chance qu'ils l'ont pas tué. Ballsy, hein. Bah oui, hein. Enfin, t'as de la chance que le stun passe, hein. T'as vraiment de la chance que le stun passe, hein. Parce que pour moi, il passerait pas ce stun, hein. Frérot, le stun de là qui passe, entre nous, hein. Entre nous, je sais pas dans quoi elle est stun, hein. Et j'ai l'impression que tu mets une Nautilus, comment ça se passe? Bah go, l'engage, y'a plus de grappe. Voilà. Ctrl, Shift, W. Voilà, et là on arrête. Pas la peine de trop forcer. T'as pris un midlife, on arrête. Ok, petit E, tu vas l'avoir. Il est mort. Oh non, elle a loupé sa roulade. Oh, elle l'a quand même, nice. Mais bon, ouais, t'es plutôt farine. On push la lane. Là, on va rotate. On peut être ça, là, c'est bien joué. Mais donc là, tu vois, le truc que t'es arrivé à faire correctement, c'est de se dire, ok, Blitzcrank est out pause, il a utilisé son sort qui lui permet de faire 80% de son taf, et bah alors là, on all-in. En plus de stall-in, le truc que t'aurais pu faire, s'il te plaît, ça aurait été de spammer go au niveau ping, pour call à ton ADC, commence à kite par là, parce que je vais engage, pour optimiser le DPS. C'est un truc qui est très important.
Rukami, coucou à toi. Bon, là t'es en lane, tu joues assez safe, vous avez assez peur. Toujours greedy, hein, s'il y a un grab qui passe, il y a un mort. Donc tu dois tout le temps de rester devant la vein pour la tanker. Devant la vein pour la tanker, petite hésitation. Et ton positioning est vraiment bizarre. Mais c'est quoi, t'as foutu la grappe? En vrai ça pouvait passer. En vrai non, ça pouvait passer, je l'aurais aussi tenté, plutôt bien joué. Biscrank est vraiment très mauvais, c'est étonnant ça. Là tu vois ça non plus, je n'arrive pas à comprendre. Non mais vraiment, Olic, quelle est ton idée là aussi, regarde. Ah tu voulais freeze la lane. Non tu vas pas freeze la lane alors qu'il y a ça et que là il y a deux waves. Genre comment tu t'es retrouvé là? Comment t'as fait pour te retrouver là? J'arrive pas à comprendre. Genre mais vraiment. En vrai Olic t'étais bourré, enfin pour moi, j'ai que ça comme explication. T'étais fatigué, t'étais tilté, t'étais bourré, qu'est-ce qui t'est arrivé en vrai? Parce que là vraiment, mais frérot, tu me fais des déplacements, ils viennent d'un autre univers. Hein. Mais pourquoi t'étais tilté? Tu vois, donc là la question c'est, pourquoi t'étais tilté? Tu vois, ça serait intéressant de... Parce que là la problématique c'est que là tu joues comme un Aeron. Et ma question c'est, pourquoi tu joues comme un Aeron, tu vois, en Master? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce cap Master to Aeron dans cette game là, dans les... Dans les 7 premières minutes de jeu que je suis en train de voir. Tu me dis, bah tilté, mais c'est pas une excuse. Bah si, on va dire que c'est une excuse. T'étais tilté, et bah on va essayer de... Plus que tu tiltes. Pourquoi t'étais tilté? Je vais faire un petit ollie. Premier, le move niveau 1 qui m'a perturbé. Perte de 100 LP. Donc alors, le premier move qui t'a perturbé, pense pas forcément... Bah si ça t'arrive à t'influer, c'est quand même un problème, frérot. J'en ai bientôt plus de ollie. Passe, et que si déjà t'es tilté à cause du move niveau 1, alors que c'est toi qui es mal joué, c'est toi qui devais pas retourner là-bas. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu es tilté du move niveau 1. Vous avez fait du 2 pour 1. Du 2 ou 3 pour 1, je crois. Genre, la veine a explosé tout le monde. Genre. Je crois que vous avez fait du 2 pour 1. Donc en vrai, pourquoi tu es tilté sur un move 2 pour 1, tu vois, totalement gagnant pour ton équipe. Donc déjà, arrête quand même à comprendre que le move niveau 1, t'as pas le droit de tilter. Par contre, t'as été tilté à cause d'une perte de 100 LP. Donc maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu penses que t'as perdu 100 LP et t'as continué à perdre en grande partie parce que t'étais tilté d'avoir perdu 100 LP? Parce que là, je te vois jouer comme un Aeron. Est-ce que là, tu deviens pas une loose condition à ton équipe si tu joues avec ce mental? La notion que tu dois comprendre, Olic, c'est que tu dois peut-être pas faire de plus de 2-3 games par jour si tu te rends compte que ta chaîne lose et que t'es tilted. Parce que là, t'es passé de Master to Aeron niveau gameplay. Et tu le vois, hein. Tu le vois avec la review, mec. Tu fonces dans le tas pour rien, tu frappes même pas. C'est infect. Avoue-le, tu te l'avoues. C'est infect. Donc là, t'es en mode, ok. Et là, ça va te permettre de. Tu vois, dans League of Legends, tu te dis, vas-y, je cale bien mes skill shots, je suis bon, j'arrive à faire du bon roaming, j'arrive à donner du rythme dans ma game. Je suis une win condition de mon équipe. Je n'ai pas 50% win rate, j'ai 55% win rate parce que je suis supérieur à mes mates et que j'arrive à carry. Ce qui se passe là, ça va être la chose suivante. Ça va être de, ok, il y a un autre qui est un facteur mental. Que prendre cette situation où je suis bon au jeu? Je dois prendre aussi cette situation de, je hint des games, je joue bien des games. Pourquoi je hint? À cause de mental. Et ce facteur, être bon au jeu qui est un bon plus parce que tu vois 55% win rate, facteur mauvais mental ou jouer dans des mauvaises circonstances, des mauvaises situations, passe à 50% win rate, passe à 45% win rate et c'est à cause de ça que tu perds 100 LP. Donc là ça veut dire, ok, t'arrives à identifier un facteur mental qui est un truc de bâtard dans tes games, ok? Donc, bah, va falloir fixer ce facteur mental de se dire, si je suis tilt, je ne lance pas de game. Maintenant, deux choses que tu dois rajouter à ça, c'est comprendre si tu es tilt. Chose que si tu n'as pas d'esprit critique et si tu es délu, tu n'y arriveras pas. Mais non, je suis pas tilt, t'en fais pas. Donc ça, il faut y arriver. Et ensuite, autre notion qu'il faut que t'arrives à comprendre, ça se dit, je suis pas bizarre. Que t'arrives à comprendre, c'est comment détilter. Est-ce que tu dois faire une arame pour détilter sur le côté? Est-ce que tu vas juste en vocal avec quelqu'un, tu discutes un peu? Est-ce que t'as un mini-jeu pour détilter? Est-ce que tu vas pas regarder une petite vidéo YouTube d'exit pendant ce temps-là, etc. Tu vois, il faut que tu arrives à comprendre si tu es tilt, comment tu vas détilter. Et vraiment, c'est une step mentale qui est hyper importante que beaucoup de pros apprennent d'eux-mêmes petit à petit, même qu'il y a des coachs qui leur apprennent. Parce qu'il faut savoir que les coachs dans League of Legends, il y a aussi des coachs mentaux qui vous permettent de plus vous concentrer, de plus être focus, de moins être tilté, etc. Parce que bah malheureusement, c'est une des grandes causes de perte de game de League of Legends, c'est le rundown, c'est d'être en full autopilote parce qu'on n'est pas tout concentré, parce que t'as pas d'avis objectif dans ta game et parce que t'arrives pas à poser le pour et le contre, et que là juste mec on arrête sur pause et les moments où frérot tu te suicides. On va montrer un exemple, hein. Exemple là, hein. Nautilus, bon normal le grappe. Et là on a un truc incompréhensible, Nautilus qui recule, ok. Et là il va décider, comme par magie, de voilà, incompréhensible. Il run down dans 13 creeps et 2 champions. Chouchou.
Donc ça, il faut que tu arrives à le comprendre, Olic. Je peux pas t'aider plus que ça. Je peux te dire qu'il y a ça comme problème. Je peux te dire ce qu'il faut faire. Par contre, je peux pas deviner comment tu penses, etc. Qu'est-ce qui te fait le déclic le plus? Est-ce qu'un mini-jeu te suffit? Est-ce qu'une petite game d'Ozu te va? Est-ce qu'une petite traîne de Binding of Isaac qui te prend 30 minutes, ça te détilte? Est-ce que te lever, prendre un peu l'air, fumer une cigarette, prendre un peu de Holy Energy te suffit? Voilà. Tu vois, la problématique, c'est que Olic, si je te vois faire ça une fois, tu le fais plein de fois. C'est la game mystique, ça m'est jamais arrivé. C'est que peut-être une game sur 10, tu me fais ça en fait. Et qu'une game sur 10, tu solo lose ta game. Et donc ma question, c'est comment on va faire? Faut que t'arrives à définir ça. Comme ça, frérot, tu gagnes 5% de win rate gratuit en fait. Et tu dois arriver à comprendre ça, à gagner ces 5% de win rate gratuit en te comprenant plus toi, pas en comprenant plus le jeu. Là, c'est juste que tu ne te comprends pas et que tu inst tes games. Après, celle d'après, je crois que c'était une flex, si je me trompe pas. Mais donc, travail, c'est pas un travail sur League of Legends, c'est un travail sur toi que tu dois faire, Olic, si tu veux progresser au jeu.